Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA en ligne pour te parler de véhicules qui sont arrivés ce matin. Ce matin du coup le 11 octobre, donc la suite de la mise à jour qu'on a eu la semaine dernière de Biker. Juste avant de commencer, je voulais vous parler tout simplement, si vous êtes déjà abonné ou pour les personnes qui sont pas encore abonnées, si vous recevez plus les notifications des vidéos, c'est normal en fait, mais YouTube a fait une nouvelle mise à jour, vous avez juste à cliquer sur la petite cloche à côté, dès que vous avez cliqué dessus, ça va marquer un petit carré, vous cliquez dessus aussi sur le deuxième carré et ça va vous demander de recevoir les notifications. Vous faites juste enregistrer, du coup vous recevez les notifications de ma part quand je poste une vidéo. Donc je vais vous montrer du coup les véhicules. Donc on va partir sur le site. Donc il y a, que j'ai pas de bêtises, donc il y a une voiture, je sais pas si c'est vraiment une voiture, donc la BF Fracteur. Non, je me suis trompé, donc je vais pas vous montrer tout de suite la moto. Donc la BF Fracteur qui est juste ici, voilà, elle est vraiment chère, elle est vraiment stylée, j'ai pas assez de moyens donc je vais pas la commander, elle est vraiment assez cool. Donc vitesse maximum ok, accélération, il y a peu, voilà, freinage pas de soucis et traction pas de soucis non plus. Donc voilà, elle est vraiment assez cool, c'est genre une voiture, une moto, je sais pas du tout. Avant de me dire dans les commentaires si vous pensez que c'est une voiture ou une moto, elle a 3 roues, ça doit être vraiment assez cool, on dirait vraiment des... Moi on en voit souvent ça des voitures comme ça, moi j'en ai déjà eu. Donc voilà, et je vais vous monter du coup le deuxième véhicule. Qui est vraiment assez cool aussi, donc on va aller voir. Hop, et c'est le voilà, donc c'est bon, j'ai trouvé, c'est la Western Demon 2, donc c'est la, c'est celle là je l'ai commandé, on va aller faire un petit tour avec. Donc désolé, je cherchais en fait le nom, je savais plus si c'était celle là ou pas la moto, et c'est là qui est, c'est celle là qui est sortie aujourd'hui. Donc vitesse maximum, accélération ok, freinage il n'y a pas beaucoup, et traction il y a pas mal aussi. Donc voilà, il y a testé, c'est deux nouveaux véhicules qui sont arrivés aujourd'hui. Donc dites-moi dans les commentaires laquelle vous avez acheté, laquelle est mieux, si c'est le mieux c'est conduire la petite moto ou la voiture. Donc voilà mon garage avec mes motos du coup. Du coup je vais garder mes sous maintenant pour... Non, c'est pas ça là. Change toi, t'es malade. Et après bah, du coup par la suite je vais voir avec s'il y a des abonnés. Si vous avez la voiture sur Xbox One, bien sûr, si vous avez la voiture, je peux avoir 3 roues, la voiture ou la moto, je sais pas, dites-moi le dans les commentaires, comme ça on pourra la tester pour comparer la vitesse entre ce véhicule pour voir s'il roule bien. Moi j'adore vraiment juste le bruit, le bruit de ce véhicule. Donc, écoutez bien le bruit du véhicule. Désolé parce que j'avais mis des écouteurs sans faire exprès. Donc si vous entendez un petit peu de son, c'est pas grave. Juste le bruit, j'adore. Donc voilà, vous avez entendu le bruit du véhicule. Et vraiment stylé. On va aller direction l'atelier custom. Moi je suis fan en fait des motos comme ça, genre des petites Harley Davidson. Je suis vraiment un fan de ce genre de moto. Donc ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas mon nom. Donc on va aller vite fait à l'atelier custom, que je me trompe pas, tac tac tac, l'atelier. Je vois même plus. Alors soit je suis mieux, non il y a, soit je suis mieux ou je sais pas quoi, mais je vois pas. Par contre j'ai un trop peur que la jambe se coince du coup dans la chaîne ou je sais pas quoi, la chenille ou je sais pas quoi. J'ai vraiment trop peur, on sait jamais. Donc voilà, je vous disais, si vous avez des, il y a un abonné ou si vous avez ce véhicule, je vous ai montré tout à l'heure la BF Fracteur, comme ça je peux le tester, pourquoi pas. Là ici je sais pas pourquoi, je vais arriver à tous les coups, ça va partir en cacahuète. Déjà ça tire. Ah il y a tout mon putain. On va juste me mettre en mode passif parce que je le sens pas du tout. Ah je peux pas le activer le mode passif, c'est pas grave. Ah c'est bon, c'est dépêché. Hop, rentre. Allez, rentre. Voilà. Donc on va tout simplement pas la custom, je garde mes sous, je vous ai dit, donc du coup je veux regarder un peu. Blindage, voilà. De toute façon il y a des promotions, c'est là-bas. Ah, pas surtout, mais voilà, sur le blindage il y a des promotions. C'est quoi en fait, j'ai pas regardé. Élément d'option. Ah d'accord, c'est pour ajouter des trucs en plus. Donc d'accord, c'est le dossier derrière, ok. Alors ça change pas vraiment, c'est genre la couleur je pense. Ah là c'est la couleur, je me doutais.
Garde-boue devant. Ok. Guidon. Avec un rétro ou sans rétro, ok. Sail. Ok. Alors, l'huile. Ok, c'est là. Voilà, c'est pour changer. On peut mettre comme ça ou comme ça. Moi, je laisse comme ça pour l'instant. Je la modifierai un peu plus tard, je pense. Non, je viens d'y aller. Réservoir d'essence. Ça va être devant, bien joué. Voilà, il y a plus gros. Voilà. J'adore vraiment comme ça, elle est bien. Je mets juste celle-là parce que j'adore. Donc, du coup, ça, c'est la courroie. Voilà, c'est ça que je parlais tout à l'heure. Je disais, ouais, je préfère quand c'est protégé parce que j'ai trop peur le mec qui me met sa jambe. Il a. Bon, après, voilà, c'est un jeu donc je pense pas, mais ça fait pour. On va la laisser simple comme ça. Et là, c'est quoi? J'ai pas vu c'est quoi qui change en fait. Je vois pas la différence. Ah, d'accord, c'est le levier, ok, c'est bon, je vois. En fait, on voit très mal, mais en fait, c'est le levier de la moto. Moteur, ok. Donc là c'est le moteur qu'on change, on le voit très bien. Je peux acheter, je vous le disais, donc du coup je vois rien. Règlement du moteur. Ça c'est le niveau, ok. Filtre arrière, qui est là au niveau de la jambe. Un peu dommage que la jambe elle est dessus. C'est un peu dommage qu'on on peut pas descendre la moto pour custom en même temps. Parce que c'est vrai, il y a des endroits qu'on voit pas trop. Échappement. Ok. Ok, là il y en a deux, ici il y en a pas. Là c'est le gros. Deux gros. En gros comme ça, et c'est le plus gros après. Donc ça c'est bon machin, klaxon ça change pas, éclairage ça change pas, motif. Alors regardez comme le motif. Ouais. Après il faut changer la couleur à besoin comme ça. Ça ressemble un peu à celle qu'on a eu pendant la Independence Day, si je me trompe pas. Si je peux être bêtise. Ouais celle-là elle est bien, j'aime bien. Ça fait un peu vieux, mais ça fait un peu comme celle, la moto que j'ai déjà dans le garage. Ok, je viendrai plus tard pour la peindre. Peinture, on va faire, on a des promotions sur la peinture, donc c'est cool. Genre, j'aimerais un petit marron, mais pas trop. Juste pour la custom, comme ça, la peinture. Hop, on va aller dans le métal. Métallisé plutôt. Ah, j'aime bien comme ça. Un petit comme ça, j'ai bien. Ouais j'aime bien. Voilà. Bref voilà c'est juste comme ça on regarde vite fait vendre, transmission, ça change pas grand chose comme d'hab, turbo, voilà, ça change pas, roue, ça change pas, ok. Ah, du coup voilà je vous ai juste montré comme ça la moto vite fait, je l'ai pas custom entièrement, vous avez bien vu. Donc du coup voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner comme je vous le disais et de laisser un petit j'aime et du coup de me dire dans les commentaires laquelle moto vous avez pris, lequel véhicule vous avez acheté ou si vous avez acheté les deux. Et si vous jouez sur Xbox One, venez m'ajouter et du coup on pourra tester ensemble les deux motos, custom et non custom. Et avec le nouveau véhicule qu'on a eu pour savoir qui c'est qui va plus, moi j'en ai pas pour l'instant, je vais pas l'acheter, je l'ai pas vu. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye, peace.